Alizia. Expliquez-moi aussi. Ça s'est passé comment? Donc Lambert est parti vrai, vrai. Supporter l'acharnement. Attendez, il sort du train, il veut parler. La source, c'est les... Quand vous avez... Tout ça, c'est pourquoi? Parfois tu les oublies, même ils viennent te provoquer. Hein? Tu les oublies, même ils viennent te provoquer. Regarde-moi là, la même seule chose là-bas aussi là. Depuis qu'elle me cherche. Depuis qu'elle me cherche, j'ai fait vue et ignorer. Vue et ignorer, vue et ignorer. Mais impionce. Hein? C'est les gens qui sont seulement là pour venir voler les étoiles des gens. Et il faut entendre le nom de Dieu dans leur bouche. Dieu, le Dieu que je sais. Le Dieu que je sais si. Le Dieu. Tous les gens, je vais parler. Franchement, j'en ai marre. Hein? Il faut les entendre. Quand vous regardez la baguette là, hein? le fil à coudre là, son visage serré comme ça là, tu sens la sorcellerie, la méchanceté à l'intérieur. Mais il faut entendre le nom de Dieu dans sa bouche. Le nom de Dieu dans sa bouche, Adama. Dire que je sais, comme si c'est toi seul qui connais Dieu. Hein? Comme si c'est toi seul qui connais Dieu. Voilà maintenant Lambert. Lambert qui est parti. Vous pensez que c'est tout le monde qui a la force de supporter? Hein? Vous pensez que c'est tout le monde qui a cette carapace soudée là? Hein? Le type de Touille était assis tranquille, il a refait sa vie. Quand on vous dit qu'il y a certains gens qui portent poisse ici dehors, hein? Quand Dieu te sort, t'ouvre les yeux, il te sort de quelque part, et tu vois que ces gens-là s'acharnent sur toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Hein? Maman, jusqu'à mort, d'homme est sortie dedans. Émission de ça. Émission. Voilà les émissions, vos émissions qui sortent là, les morts d'hommes sortent dedans. Voilà. On va encore dire que quoi? On va encore dire que quoi? Continuez. On n'avait rien vu encore.
On a dit que c'est tout le monde qu'on provoque. Continuez. Béni de Dieu, moi, elle ne m'intéresse pas. Qui a organisé ça? Qui a organisé? Et vous êtes où dit que moi, je ne juge pas une affaire. Là où la personne est tombée, je commence par là où la personne a cogné son pied. C'est par là-bas que moi, je commence. Le monsieur de Trouy était déjà dans son coin. Il a refait sa vie. Il vivait déjà sa vie tranquille. Là où il était, l'émission est encore venue le soulever. L'émission. Est-ce que la question là était appropriée? Hein? Moi je pense que parce que on devrait faire des émissions constructives. On devrait faire des émissions constructives pour aider les gens. Hein? Se donner des conseils entre nous, se conseiller. Comment évoluer ensemble? Comment faire des choses? Hein? Vous organisez les émissions pour parler des vies privées des gens. On a reproché la même chose à Voice Africa. Te concernant. C'est-à-dire qu'on a reproché, on s'est levé tous contre Voice Africa. On a tapé sur Voice Africa. Concernant votre animatrice superstar, de mes bimélans à Zout. De mes bimélans à Zout. Et l'animatrice superstar là, elle est venue encore s'asseoir. Qu'elle anime la télé. Elle prend la vie privée de quelqu'un, elle dépose. Voilà, ça, c'est ça qui a envoyé tout ça, hein. Les supporters, les supportrices. Aïe, on va, oh, Ndale. Tu es enfant béni de Dieu. Il faut entendre même des sorcières qui parlent de Dieu. Le Dieu que je sais. Le Dieu que je loue. Maman. Voilà un monsieur qui avait brûlé sa vie. On a vu comment le monsieur là, il a refait sa vie, il a arrêté le Njang Sang. Il était encore devenu beau. Pas Lambert, notre pas Lambert. Hein? Tous les Saint-Valentin, quand je voulais rigoler, je prenais sa vidéo là, de Ngome Djap. Quand je vais aller dans mon village à Ngome Djap. Hein? Tous les Saint-Valentin, quand je voulais rigoler, je prenais ça. Excès de stress. Hey, adieu. Rambo, homo. Non. Il faut tirer chapeau à Mafo. Tirer chapeau à Perpétue. Tirer chapeau à la Veuve Joyeuse. C'est des femmes fortes. Elle peut laver qui? Elle t'a lavé, elle t'a lavé. Qu'elle-même, elle est propre. Elle peut laver qui? Celle-là. Quand elle se regarde, elle me regarde là. Elle et moi, on a le même calibre. Qu'elle a d'abord bien mangé, se nourrit un peu. Si elle veut se venir, se mesurer. Toi qui es là, l'oiseau de mauvaise augure, qui vient ramener les mauvaises nouvelles dans mon direct. Reprends donc le direct, le message. Tu vas t'en dire à ton fil à coudre là. Le Moussingaman Bangola, reprends le message comme je te le donne. Tu vas lui donner ça. Que j'ai dit que pour me laver là, il faut qu'elle mange d'abord. Elle se rassasie. Parce que quand moi, elle la regarde, je cherche par où. Par où je peux m'asseoir sur elle, je ne trouve pas. À part sa tête. Quand je regarde partout, et si j'écrase sa tête d'un coup, c'est-à-dire que je pose seulement mon bagage qui est derrière et m'asseoir sur sa tête. Ça s'écrase. Et ça sera trop vite fait. Alors que j'ai besoin que de la prestance. Hein? Quand vous ne l'entendez pas, on est là, voilà une tragédie.
Jusque là, vous continuez à vous balader avec les mauvais... avec le Congo, ça, de direct en direct des gens. Ok. Bani. Voilà. Quand vous vous baladez là, comme des oiseaux de mauvais augure. Hein? Eh, pas l'ambé. Oh! Ouais. Notre parlambé, maman, le père n'a pas supporté, maman. Ah, Marthe a effacé tous ses posts. Est-ce qu'on efface alors comme ça facilement? Elle efface, il y a les gens qui ont fait les captures d'écran depuis, c'est gardé. Pardon, hein, épargnez-moi les noms de certaines personnes à mes directs. Hey! Jésus-Christ de Nazareth, Adama. On peut faire ça. C'est même ici. Non, ça c'est. Ouais, Mbala Lobae. Hey! Pardon, laisse celle-là là-bas. J'ai pas le temps pour elle. Celle-là n'est pas son temps. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire ce matin. Moi, je suis d'ailleurs. Elle, je lui parle que dans mes chiottes. Quand elle finit de parler, je tire parce qu'elle est la merde. Elle est les excréments que je défèque là dans mes chiottes là. Quand je finis, je tire l'eau sur elle et puis elle sort. Elle est qui? Chouane. Elle est qui celle-là? Elle veut se jouer les intéressantes, elle n'est rien. Elle est arrivée sur la toile, on l'a accueillie. On lui a donné une place. Voilà. Mais elle a voulu montrer que elle est déjà quoi, alors qu'elle n'est rien. Voilà. Elle n'est rien du tout. Les gens qui sont quelque chose, elle ne les voit pas. Elle passe encore 400 vues. On voit. Eric, je vous ai dit que si elle est en direct, elle met mon nom en titre. Vue ignorée. Les 500 vues que vous lui avez donné hier, là. C'est fini, c'est terminé. C'était ces 500 derrière personne. Dans sa carrière Facebook. Elle va rester avec nous, là. Si elle fait trop, elle arrive à 100. Voilà, c'est comme ça. Et puis ça chauffe pas. Ces dernières 500 personnes, elle les a fait hier. Parole de la Rose africaine du 237. Elle l'a vu et ignorée. Parce qu'elle est trop fausse et rusée. Le gars qui est passé dans son direct hier là, a tout dit. Le gars l'a bien cerné. Voilà. Elle vient faire gne 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 parce qu'elle pense qu'elle va encore récupérer les gens. C'est fini, on te connaît déjà. Vu et ignoré. Quand il va te laver. Tu vas laver quoi sur moi? Chouane. Hé, maman, maman. Émission de ça. L'émission qui conduit à la mort. Alors, comment on va donner le titre de l'émission? Le titre de l'émission. L'émission qui conduit à la mort. Les Ivoiriens vont tous nous dépasser. Hein. Pour les Ivoiriens, ça ne conduit qu'à la prison. Au moins, ça s'est limité à la prison.
mais avec quand même beaucoup de vues quand même, hein. Avec beaucoup de vues. Hein? Pour nous là, hein, 800 personnes qu'on a été. Mais ça a conduit à la mort. L'émission qui conduit à la mort. Maman, le degré de sorcellerie et de méchanceté. Dieu va vous exposer comme ça. L'exposition de ça. Ah. Maman, j'adore l'été. L'été, tu n'as pas besoin de t'encombrer pour aller au walk. Maman, je vous ai dit que je marche en route. Tête haute et poitrine bombée. Que quelqu'un fasse l'erreur. Allez, lis-le. Et dit que me voilà ici. Si quelqu'un est trop fort, qu'il fasse l'erreur. Et pas les trucs, les encerclements que vous avez fait sur Dikamé, là. Moi, je suis pas Dikamé. Elle avait fait le taekwondo. Mais voilà, pcha! Tu viens mal, elle fait comme ça. Là! Fais comme ça, là. Bah! Vous pensez, que j'ai pris du poids, là? Vous pensez qu'il ne répond plus? Je réponds toujours, présent comme quand Dieu ne dort. Nep, nep. Comme les 404 qu'on vient d'acheter aux brasseries. Je réponds, roha. J'espère que pipi. Il a dit que l'émission qui conduit à la mort. Maman, les émissions de ça. La télé de ça. Oh, voilà la télé qui a tué notre père Lambert. Oh, oh, la télé. Oh, oh, oh. C'est qui? Papa jumeau. Non. Que c'est, est-ce que c'est papa jumeau? C'est le père de jumeau là, quoi, on voit dedans. C'est lui qui a organisé l'émission où on a manqué de respect à papa Lambert. Non, c'est pas lui. Nous savons tous. Papa Lambert, on l'avait même déjà oublié sur la toile. Nous savons tous qu'il a réveillé. Eric, je suis prête. Eric, il marche comme ça en route, la tête haute et poitrine bombée. Celui qui vient malin. Même pas l'acheter, je suis prête. J'ai les yeux ici, j'ai les yeux derrière. Oh, ça chauffe pas. J'ai dit que le fil à coudre du cribi là, les derniers vues que vous avez donné hier, c'était hier. C'est moi qui parle. Les derniers vues que le fil à coudre de cribi là a eu hier, là, c'était hier. Plus jamais 500 personnes. C'est vrai, crie même Dieu 50 000 fois. Oh, le Dieu que je sais. Oh, le Dieu que je loue. Oh, le Dieu que... Oh, le Dieu. Dans son hypocrisie. Faut la paix. Ah, mais les gens ne veulent pas la paix. On veut la paix, les gens ne veulent pas la paix. Hmm? Les gens créent les clans, clans, clans. Celle qui s'est levée ici, vous l'avez accusée que... Moi, je ne donne pas raison à quelqu'un pour rien. Hein. Quand je donne raison à quelqu'un, il y a les arguments derrière. Celle que vous avez accusée que c'est elle qui a organisé tout ça. Là. À un moment donné, elle-même, elle a pris conscience. Elle a tendu la main à tout le monde. Tout le monde. Mais il y a toujours une bande de personnes. C'est vrai qu'au début, les gens étaient peut-être sceptiques. Les gens étaient sceptiques. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte qu'elle est sincère, même vous ne voyez pas qu'elle est fatiguée. Hein? Tu ne peux pas me commander. Toi, tu es qui? Toi, tu ne veux pas qu'on te commande et toi, tu veux commander les autres. Voilà alors vos émissions. Émissions qui mènent à la mort. Hey. Il y aura la paix. Vous, c'est qui? Vu ce qui est arrivé. Ah! Je l'espère. C'est ce que vous croyez? Au contraire. Ah, moi, je suis pour la paix. Hein? Mais si quelqu'un m'attaque. Tu
m'attaque, je réponds. Tu es en paix? Je suis en paix. Moi, je suis pour la paix. Mais il y a les gens là qui ne veulent pas la paix. Coucou Alain Fouda. Du Camin fait l'acharnement à deux. Attends. Du Camin fait l'acharnement à deux personnes. Du Camin a fait l'acharnement à qui encore, maman? Moi, j'étais moi là tranquille. Vous me voyez, c'est chercher des problèmes à quelqu'un. On m'a cherché. Hey, Yuri Yagami, ça fait longtemps. La Rose, ton Shoga et toi, vous accouchez votre enfant. Quand on a les grands enfants, on n'a plus besoin d'accoucher mon père. Là où tu me vois, là, tu me vois encore en train d'échanger les couchements. Pas. Les grands enfants maintenant. Hey. Maintenant, on cherche l'argent pour la retraite. On a les enfants, non? Qui vous a dit que il faut, ton homme là, il faut forcément lui faire l'enfant. Ses enfants sont mes enfants, mes enfants sont ses enfants. Est-ce qu'on est obligé de faire... On est obligé de faire... Ce n'est pas comme si on n'a pas voulu. Mais si Dieu a dit que les enfants que vous avez là, ça suffit. Nous, on reste enfants. Selon la volonté de Dieu, on ne force pas les choses. Hmm? Vous n'avez pas vu qu'il y a un temps là où j'avais rempli la maison là. Quand il remplissait la maison là, c'est parce qu'on cherchait. Mais Dieu a dit non. Quand vous avez déjà les enfants. Donc là, maintenant, on cherche l'argent. Pour la retraite. Et pour les universités des enfants. Parce que nous, on a des enfants très intelligents d'ailleurs. Tu as compris, non, Yuri? Yuri, j'espère que je t'ai répondu. Hey! Yuri, tu es satisfait de ma réponse, non? Mon Shoga et moi, là, c'est la vie. Ce n'est pas l'enfant qui nous unit, rien ne nous unit, c'est l'amour qui nous unit. L'amour, le vrai amour, le vrai ndolo. On n'est pas ensemble pour quelque chose. Quand vous voulez parler du vrai amour sur la toile, c'est celui de mon chéri et moi. Ça, c'est l'amour pur. Le coup de foudre. On dit souvent que ton âme sœur, tu le racontes d'un coup de foudre. C'est ce qui s'est passé. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Hein? L'enfant ne change rien dans une relation. Quand il y a l'amour, le respect et la confiance, le reste, c'est maïs. Yuri, j'étais là, répondu. Ou bien tu as dépassé l'âge. Yuri, j'étais déjà répondu. Je n'ai pas dépassé l'âge. Mais la fécondité, ce n'est pas pareil chez toutes les femmes. Voilà. Moi, j'ai ce qu'on appelle chez nous la maternité de l'éléphant. Tu comprends? Ungwal Kinjok. On dit ça en bas, que Ungwal Kinjok. C'est-à-dire que tu as un espace. L'espace, tu vois. Voilà. Donc, on n'a pas tous la même façon de. Bon, je suis arrivée, je fais le code. Il y a les choses dans la vie qu'on ne force pas. Et ce n'est pas l'enfant qui unit les gens. Accès autorisé. Yuri, je crois t'avoir déjà répondu. Ce n'est pas comme si on a des enfants. Arrête de donner l'explication de ta vie, ma privée. Non, ma chérie, ma fille, ne t'inquiète. Ce que je peux leur dire, je l'ai dit. Ce que je trouve que c'est vraiment privé, je garde ça pour moi. Bonjour, ma Rose, bonjour. Ton amour de mère va bien. Ne t'inquiète, ma fille.
Mama, l'émission qui mène à la mort. Roha. Bonjour, Jocelyne Wallet, bonjour. Fille à coudre. Comparé à ta belle. J'ai dédiqué, hein. Même le fil à coudre me parle. Eh, Seigneur Jésus. Facebook, si, hein. Le fil à coudre, chaque temps que ça s'assoit, ça me parle. Ça vient parler Dieu. Toi, tu connais Dieu? Moi, j'ai un enfant à la maison qui, quand il met ses genoux par terre seulement, en plus, elle est encore innocente. Toi, la vieille chose là, qui a fait toutes les mauvaises choses sur le jeu de la terre, tu mets le nom de Dieu. Pac, 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 pac. Dieu. Là, on est aussi. Chouan. Bon, je suis arrivée. Je sonne d'abord. Même si j'ai les clés, je sonne quand même. Oh. Hey. Bon, je cherchais les clés. Bonjour Samuel, ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Ouais. T'as pas cours aujourd'hui? Non. Ah ouais. Les parents sont au travail? Oui. Bon. Attendez. Je vais mettre ma tenue de travail. Même ma tenue de walk. Maman, il fait beau, hein? Oui. C'est un long week-end, hein, tu vois? Oui. Vous allez partir un peu? Non. Et vous allez partir quand même? Non. Attendez, on va prendre un café avant que je lance. Ok, on prend un café, non? Avant que je lance. On prend un café, j'essaye de vous lire bien. On prend le café. Je vous lis parce que tout à l'heure j'arrive pas. Bonjour, 20 minutes de vérité du peuple. Paix. Pas de paix. Elles vont assumer. Maman, Dieu ne dort. Maman, bravo ma BS. Tu es une bosseuse. C'est avec ça qu'elle est fermée tous leurs bouches, ces vieilles salopes là sur la toile. Voilà les télé, les émissions télé qui tuent derrière les gens. Bien salope. Pauvre Lambert. Il était la nuit tranquille. Avant d'organiser les émissions télé, voilà maintenant.
Hey, maman. L'émission télé qui tue. Seigneur. Vraiment, ces choses. Elle dit qu'elle a fait la coudre là. Qu'elle ne quitte pas derrière moi. Elle ne me connaît pas. Ce n'est pas ces histoires qu'elle dit que Dieu là. Moi, ma fille, non seulement elle est encore innocente, elle met ses pieds par terre. Ses genoux par terre. Elle ne peut même pas passer une journée sans prier. Voilà. Donc, elle le fil à coudre là, ne quitte pas derrière moi. Émission qui tue. Ça dit pour vous, les Camerounais, hein, ça part tout loin. Les Ivoiriens se sont arrêtés, envoyés en prison. Pour vous, la tue déjà. Oh! Maman, à force de vouloir copier les gens. Tout le temps, hey, regardez Côte à Monchic. Tu connais l'étoile de Côte à Monchic. Tu sais où Côte à Monchic est parti. Tu sais d'où elle vient. Hein? On vous dit que venez, on lave les assiettes, on balaye les maisons. Vous voulez être animatrice télé. Bah alors, bah. Ouais. Le petit agent du Waka que vous avez travaillé. Hein? Au lieu de penser à construire votre avenir, votre futur avec votre maison de retraite. Vous êtes là que un grand-père était un commissaire pisseur. J'ai entendu l'autre là donner la leçon de morale aux gens. Que oui, même si tu es à courant, machin. La même seule chose là. Même si tu es à courant, machin. Comme si elle est trop polie. Tu ne sais pas que toi la même seule chose de crime là. Tes insultes sont plus humiliants et insultants. La façon dont toi tu insultes les gens. C'est plus humiliant et insultant que celle qui utilise les insultes du quartier là pour insulter les gens. Tu ne sais pas ça. Quand tu utilises ton français de Molière là pour dénigrer les gens, pour rabaisser les gens, tu ne sais pas que c'est plus insultant. Idiote, va. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que c'est plus insultant que quelqu'un qui dit fille du commissaire pisseur. Le commissaire pisseur là, il est là, mort, il est mort. Est-ce qu'il est au courant de vous? Elle est au courant de vous. Moi, mes parents sont déjà partis. Tu les insultes comme tu veux là maintenant. Moi, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est que moi, leurs filles, je les ai honorées. Ma mère, je l'ai honorée. Mon père, je suis allée jusqu'au village l'honorer. Donc, qu'est-ce que tu peux dire qui va changer quoi dans sa vie? J'ai rien donné des leçons de morale aux gens. Alors que tu es plus impoli, mal élevé, quand tu te mets là dans ton maman, mamie Sabitou. Te voilà là dans un, comme l'aiguille. Comme ça qu'elle se place devant. Hein? Avec ses petits qu'elle met sur la tête. Franchement, Look out for you. Qui derrière moi, le fil à coudre là. Voilà. Maman, le journalisme de ça, ça a envoyé les gens au cimetière. Ouais, parle en baie. Moi, je vais appeler le grand frère Messan, la maman Android, le 9 et le 10 de Facebook. Pardon, organiser quelque chose pour qu'on on rend honneur, un dernier hommage à Palambé. Organiser quelque chose. Franchement, organiser quelque chose. Parce que Palambé ne mérite pas ça. Palambé avait déjà refait sa vie. Regardez comment le monsieur avait déjà pris le poids. Tu sens que le monsieur, il était bien. Hein? Tu organises une émission. Ce qui m'énerve dans cette histoire-là, c'est que on a tapé sur Voice Africa pour ça, à cause de cette animatrice. En leur disant que non, vous ne pouvez pas organiser une émission pour parler de la vie privée des gens. La même animatrice vient faire l'émission, elle soulève la vie privée de quelqu'un. Hé, hey, maman, Facebook. Oh, bon. Elle soulève la vie privée de quelqu'un. L'enfant est quelqu'un, on l'appelle en pleine émission que coronavirus. Et je trouve les gens trouvent que non, c'est rien. On appelle le type de quelqu'un, l'enfant est quelqu'un que coronavirus. Quand lui, maintenant, il vous poste, ça devient l'acharnement. Voilà qui n'a pas supporté l'acharnement. C'est pas tout le monde qui a le dos lâche. C'est pas tout le monde qui a le dos lâche.
Oui, c'est pas tout le monde qui a le dos lâche. Voilà ça. Hmm? Voilà ça. Voilà. Hé! Maman. Pipito, c'était pas mieux, tu ne sors pas. C'est encore mieux, tu restes dans le silence. Yuri Argami, tu as un problème avec mon show. Hein? Tu voulais être à la place de mon show, papa. Heba, tu es toi que sur mon show, ton show et toi, ton show et toi. Tu voulais être à sa place. Hmm? Tu voulais être à la place de mon show, Yuri. Parce que toi, tous tes commentaires sont concentrés que sur lui. Hmm. Bonjour, ma co-Lily de la Tour. Je viens de voir ton commentaire. Yuri, tes commentaires où tu parles tout seulement de mon show, là, moi, je vais commencer à les passer. Hein. J'ai envie de vous lire, du début jusqu'à la fin. Commentaire qui ne me plaît pas, j'enlève. Ma BS, tu es ravissante ce matin. Ah oui, l'été, c'est comme ça. Hein. Vous savez que quand le soleil commence, moi, j'aime travailler même en été, là. Parce que je pars au travail un peu relax. En hiver, on doit se couvrir, là. Bonjour, master, pardon, sort des clashs. Qu'est-ce que tu d'abord dans les clashs? Hein, Lotine, je ne suis pas dans les clashs, hein. Moi, je réponds aux gens et pas, je ne réponds pas à tout le monde. Sauf que le fil à coudre, là, elle exagère. Voilà. Il faut qu'elle me colle un peu la paix. Ce fil à coudre. Moussingaran Bango, c'est quoi ton problème? Il dit que Facebook est risqué. Quand vous venez sur Facebook, il faut avoir le dos large. Ma baisse, calme-toi. Ne sors pas de tes gonds. Non, je suis dans mes... Je ne peux pas. Qui va me faire sortir de mes gonds? Le fil à coudre, là. Pardon. Elle est née. Le fil à coudre, là, ne peut pas me faire sortir de mes gonds. Voilà, Josiane Luna, c'est ça que je suis en train de dire, là. Pour quelque chose qu'on a plaidé pour elle, hein. Et c'est ça même qui m'énerve même dans l'histoire. Parce que pour quelque chose qu'on a plaidé pour elle, quand Voice Africa fait ça pour elle, sur elle, on a plaidé. Et elle vient faire la même chose. Donc elle n'a pas appris à ses dépens. Hmm? On est là, juste fini pour qu'il se tasse. Zéro jamais ma BS. Ah ouais, qui veut parler là? Je te donne Dieu la force. J'espère que tu ne viens pas là pour m'insulter. Hein. Parce que maintenant là, quand je ne connais pas là, j'ai peur de prendre. Je prends quand même et je suis prête. Dès que tu fais pas avant ma prépaté, t'enlèves. C'est là maintenant, là, quand moi, il connaît pas peur. Maman, à cœur ouvert qui conduit à la mort. Hey! Endala a fini avec l'émission. Maman, à cœur ouvert de Toto Tata Pipito. Conduit déjà à la mort, maman Sarah. Hey! Maman est à cœur ouvert de Toto Tata Pipito, conduit déjà à la mort. Bon courage. Allô? Allô? Je sais que ce n'est pas pour insulter. Non, je ne vais pas vous insulter. Allô? Oui, allô? Vas-y, on t'écoute. Non, je viens pas pour t'insulter. Bonjour. Bonjour, Dieu la force. Dieu la force. Vas-y, papa. C'est comment?
par la grâce de Dieu. D'accord, c'était pas pour t'insulter, c'était juste pour te dire j'apprécie ce que tu fais. Ah. Et puis je suis un fan incontournable, donc c'était juste pour te dire bonjour et continue sur cette lancée. Tu es une très belle personne. Merci beaucoup, merci mon fils. D'accord, d'accord. Tu passes une bonne journée, merci. Merci. Ça et tous les hommes sont mes fils parce que c'est la femme qui accouche. Moi-même je vous aime. Diaspora pourrie, en tout cas, ton nom, là, c'est toi qui as choisi le vrai nom. Diaspora pourrie, mais tu as oublié hypocrite. Ajoute hypocrite à côté. Diaspora pourrie et hypocrite. Parle en bé, Yako. Ouais. Parle en bé. Jocelyne Wale, ma soeur à moi, bonjour. J'ai dit que Yann le conquistor, tu as vu ça? Un fil à coudre, un fil à coudre qui me parle, maman. Tu as vu ma bombe que j'ai là comme enfant, maman? Le fil à coudre vient me parler. Je vais te manquer le respect ici. Viens me manquer de respect. Chouane, je t'attends. Fais m'asseoir sur tout ce que tu as sur toi là qu'on voit là, c'est ta tête là. Ta tête. Il n'y a que ça qu'on voit. Que je vais venir te manquer le respect. Nalingi Kongosa. Donc tu aimes le Kongosa. Cette histoire devrait faire réfléchir. Ils vont alors réfléchir. Non, c'est comment? Mandolo d'amour, comment tu vas, chérie? T'as dit que l'anga, elle est sûre que... Je n'ai pas écouté ton direct parce que j'ai eu beaucoup de coups de fil qui m'ont dit non, de ne pas te donner cette opportunité. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas écouté ton direct. Mais sinon, ton direct était très hypocrite. Voilà. Tu vas revenir à un truc, tu n'as plus de vue, tu n'as plus de vue. C'est toi-même qui as l'origine du fait que tu as perdu tes vues. Arrête de dire tout le temps quand tu dis ma page est restreinte. Ma page est tellement restreinte. Les pages de tout le monde sont restreintes. Moi-même, là où tu n'es pas là, ma page est rouge. Oui. Voilà, ma page est en rouge pour un petit commentaire. Je ne sais pas où j'avais dit que c'était dans le direct de Mafo. Ah, mais on a fini avec moi ce matin. Et je suis passé, j'ai vu ça, je suis passé comme le taxi plein. Mais je sais les qui sont derrière Sandolo Moulema, c'est pour ça que je suis passé comme le taxi plein. Ne réponds pas, Sandolo, reste comme tu es. Toi-même, toi et moi, on sait qui est derrière. Toi et moi, on sait qui est derrière. On sait les qui sont derrière. Mais. On connaît tous notre personne. Elle va revenir à la raison. Pour le moment, elle est encore fâchée. J'ai vu ça, je suis passée comme le taxi plein. Tous les pages sont restées. Je suis au rouge pour un commentaire. J'avais commenté sur la page de Manfo. Elle faisait un direct où elle disait que elle et ma pépé ont bagarré. Elle et la veuve ont bagarré. La veuve et ma pépé ont bagarré. Il restait Pipito. Et j'ai commenté là-bas que je serai la première personne qui va bastonner Pipito. Bastonner, là, je n'ai pas séparé. Je n'ai pas mis les points au milieu. Facebook m'a restreint pour ça. Je suis au rouge. Je suis au rouge là. Donc tout le temps, ma page est restreinte. Ma page est restreinte. Voilà les gens qui ont mangé les étoiles sur Facebook. Maintenant, moins de choses. Quand tu vas chercher tes étoiles, il y a quelqu'un qui a cherché les étoiles ici comme toi. Le fil à coudre. C'est son nouveau nom, hein? Le fil à coudre de Kirby là. Le Musingaran Bango. Il y a quelqu'un qui a cherché les... Il a mangé les étoiles ici comme toi. Tu faisais le ping-pong partout. Ping-pong, 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 ping-pong. Tu quittes ici, pam, pip, tu atterris à la politique, pam, tu reviens ici, pam, tu atterris là-bas, pam. Il y a quelqu'un qui a mangé les étoiles comme toi. Donc maintenant, quand les autres mangent aussi, ça te dérange. Donc il a couru le cribi là. Hypocrite. Donc tu penses que ton petit jeu que tu joues souvent là, les gens les détestent. Le gars qui est passé, que vous avez étouffé dans le direct là, le jeune là, ça va me dire quelque chose. Je le connais, il est parti, il était souvent dans les directs de Dorcas. Il faut en prendre. Mon ex-fabricante là, la non-événementielle là, il a framponné là-bas, les deux se prenaient la tête dans les direits des Dorcas tout le temps. Le jeune là, j'ai reconnu sa voix. J'ai dit que Meta est risqué, Makindolo Moulema. Meta est risqué. Donc, le gars là, vous l'avez étouffé, mais ce qu'il était en train de dire, c'est la vérité. Vous l'avez étouffé pourquoi? Ton direct était, ça dit que, après mon bord,
Les gens qui ne connaissent pas Meta vont venir t'applaudir. Vont venir te dire que oui, tu parles bien, franchement, tu es dans la lancée de la paix. Hein? Mais nous qui connaissons Meta, on te dit que ton direct était hypocrite du début jusqu'à la fin. D'accord? Parce que là, le poste que tu fais, hein? Je n'ai pas décrypté ça seulement parce qu'on m'a appelé. On m'a dit que dis donc, laisse celle-là là-bas. Ne la fais pas revenir à la lumière. Il y a longtemps, elle est dans les ténèbres. C'est pas parce que tu dis Dieu, 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 Dieu que tu es dans la lumière. Tu n'es pas dans la lumière, tu es une ténébreuse. Maintenant, si tu veux, tu peux le dire, tu m'insultes, tu n'as rien à foutre, tu es ténébreuse. Quand tu fais. Dès qu'on regarde même ton visage, c'est-à-dire que les gens qui font la lumière, qui sont dans la lumière, quand ils parlent, quand ils s'expriment, c'est-à-dire qu'on voit la sincérité limpide du fond du cœur. Mais quand tu es ténébreuse, là, ça se voit. Hmm? Ma soeur qui a fait le direct ce matin, là, elle n'est pas ténébreuse. Elle est juste, elle est un peu, mais elle n'est pas ténébreuse. Donc, c'est pour ça qu'elle dit à Andolo que laisse. Mais toi, là, le fil à rouge de Kribi, là, tu es ténébreuse jusqu'à le fait sort. Le Dieu que j'ai loué, le Dieu que j'adore, le Dieu que. Quel Dieu? Tu connais Dieu? Ténébreuse, là. C'est step by step. Ah, d'accord. J'ai bien dit que la voix, là, je reconnais ça. C'est step by step. Je dis que step by step était dans la logique des choses. C'est-à-dire que step by step a lu cette fille. C'est-à-dire que là, tout le déroulé de step by step, j'ai vu quelqu'un qui est monté pour dire que non, le gars, c'est qui dit, mais sauf qu'il est. Non, 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 non. Le gars a lu ce fil à coudre là. Mmh? C'est-à-dire qu'elle a cette manie de prendre les choses et embellir ça. Genre, ceux qui ne connaissent pas Meta, vous allez lui donner le bon Dieu avec confession. Le fil à coudre que vous voyez là, c'est le diable porté Prada. C'est moi, Eddy. Tu dis que tu vas faire le direct pour m'humilier. Toi, là, tu es le diable porté Prada en personne. Toi, c'est moi, je te dis ça. D'accord? Tu es le diable porté Prada. Quelqu'un qui vient te tirer sur une personne qui était sa soeur hier, quand elle est à terre. Toi, tu es quelqu'un. Hmm? Monaco encore, non, Monaco n'est pas mauvaise. Hein. Monaco est comme elle est là. Mais le fil à coudre là, hein? C'est le diable porte Prada. Voilà. Le diable porte Prada là. Le diable s'habille en Prada là. C'est le fil à coudre là. Moussingaman Bango. Je vais te montrer que moi, ma voix, que tu m'as trouvé sur Meta, que je suis sur Meta avant toi et que ma voix porte sur Meta. Parce que tout ton truc là, ça a commencé quand tu as vu que je suis en train de faire la paix avec Compressor. Compressor, je peux faire ma paix avec Compressor, n'engage qu'elle et moi. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir avec toi. Elle est libre de représenter tes produits. Je ne suis pas méchante comme toi. Et moi, je suis d'abord qui pour dire à Compressor ce qu'elle doit faire. Comme elle-même, elle est personne pour me dire ce que je dois faire. Mais vous mélangez tout. Dès que tu as vu que j'ai fait la part avec Compressor, c'est là que tu es sorti. Bah, tu es venu tirer sur moi. Et tu dis que tu es quelqu'un. Toi, tu es le diable s'habille en Prada. D'accord? Je te rappelle que la cousine, quand on dit cousine, hein, ce n'est pas cousine éloignée. C'est-à-dire que ma Juju, sa mère, et la mère de Compressor sont les sœurs comme ça. Je dis que sœurs comme ça. Ce n'est pas que éloigné. Ma Juju, tu l'as comme entendu que ma Juju, sa mère et sa mère de Compressor sont des sœurs comme ça. Mais le lien que j'ai avec ma Juju, je n'ai pas ça avec Compressor. Mais Compressor, c'est ma sœur. Et vous avez vu, Compressor avec tous ses problèmes ici sur la toile. Vous avez vu ma Juju la sortie même un seul jour, Béni dit qu'elle prend le pas de. Mais vous voyez chaque fois où, quand on accule, elle sort. Non? Parce que c'est ma Juju. Vous ne comprenez pas quoi. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas Compressor. C'est sa sœur de sang. Mais c'est pour vous dire que dans les familles, le fait que Compressor et moi, elle était à côté de tirer sur la toile, elle n'aimait pas ça. Mais elle ne veut pas se mettre au milieu.
Parce que compréhension, c'est sa soeur. Et moi, je suis sa juge. Qu'est-ce qu'elle a trouvé bon? Elle a fait de son mieux pour que ça finisse, pour que ça s'arrête. C'est comme ça qu'une personne mature réfléchit, se comporte. Souvent entrer dans les problèmes que vous ne connaissez pas. Quand toi, l'offre, la couche là, quand on parle de l'hypocrisie, toi, tu dois aller te cacher. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite que toi sur cette toile-là. Toi, l'offre, la couche là. Déjà, même ton poste que tu as fait, elle sentait l'hypocrisie. Et te connaissant, moi, je savais déjà que quand tu vas venir faire le direct, tu vas dire autre chose. Mais sauf que ce que tu penses, tu l'as déjà dit dans le poste. C'est ça le problème. C'est que tu penses là. C'est ce que tu as dit dans le poste. Et tu ne vas pas enlever ça dans la tête d'une vraie abeille. Parce que c'est ce que tu penses. Maintenant, tu vas venir. Et c'est ce que step by step est venu te dire dans ton direct. Bon, comme on m'a pas appelé et décrypté par le direct, tu m'as donc poussé à bout. Moi, je t'ai dit donc pour ce que je pense. Et tu vas me faire quoi? Voilà, tu peux me faire quoi? Au fil de la contre. Ah, les gens qui gardent le nom de crédit. Je vous laisse. Merci. Je sais que fait quoi? Oh, bah alors. Merci beaucoup, Sophie Aline. Merci. Il y a des gens qui ont lu le post et ils n'ont pas regardé le live. Tu vas les expliquer comment pour aller leur dire que machin truc. C'était l'hypocrisie tout court. Mais ça dit que c'est de l'hypocrisie et ça saute à l'œil. Il faut arrêter vos petits micmacs et faire ça aux gens. Voilà. Et toi, tu n'es personne pour m'interdire de ne pas décrypter quelque chose sur la toile. Tu es qui? Oyabene. Et quand tu vas venir me parler, la prochaine fois que tu décides de venir me parler le doigt là, ne me parle pas de ton doigt là bancal que tu parles là. Voilà. Si tu ne peux pas parler en doigt là, parle en batanga. Parce que même le batanga, même là, tu ne maîtrises pas. Donc ne me parle plus jamais le doigt là bancal. Tu veux parler en doigt là, parle-moi le doigt là, le popo. Oui, c'est engagé, non, quoi, ça va. Ou en plate, quoi, ça va, na doigt là. Ya, jawa, c'est au nom de. Nongo konda, au jawa, c'est au topemba, doigt là, la boam. Tu ne me parles pas le doigt là, frélaté. D'accord? Impoli, va. Tu manques de respect à qui? Tu penses que depuis que tu fais ce que tu fais là, je ne te réponds pas, c'est parce que tu me dépasses trop ou si j'ai trop peur de toi, que tu es toi-même dans la sauce. Rends-moi un fil à coudre comme ça là. Toi, je te récupère. Je mets dans l'aiguille comme ça pour coudre mon pantalon qui est un peu déchiqueté. D'accord? Voilà, je te récupère, mets dans l'aiguille et puis je coupe comme ça là. Tac! Tu es quoi? Jusqu'à tu penses que tu peux m'effrayer. Je vais t'humilier ici, si, là. Toi, tu peux humilier qui? Humiliation va passer par où sur moi? Va d'abord manger, tu te rassasies. D'accord? Tu manges bien, tu prends quelques kilos. Tu prends les kilos parce que quand il te regarde là, je ne sais pas dans quelle partie de ton corps, si moi je décide de m'asseoir, tu peux m'asseoir. Mais il faut arrêter tes conneries là. Tu as compris? Non? Je ne suis pas ta camarade. Toi et moi, on n'a pas joué au bar ensemble. Bonjour, ma Juju. Toi et moi, on n'a pas joué au bar ensemble. Toi et moi, on n'a pas fait le pouce-pion ensemble. Je suis pas ta camarade. Et je décrypte ce que je veux sur la toile. Tu dégages de ma route. Tu n'es pas ma cible. Tu vite, vite, vite sur ma route. Je vous laisse. Bonjour, ma Juju. Je vous laisse, je me vois quand les occupations. Bonne journée là-bas.